Amos, the Art Museums of Switzerland est une association des musées les plus importants dans le domaine du design, des arts et la photographie en Suisse. Et on s'est mis ensemble pour travailler ensemble sur notre communication, surtout à l'étranger, et aussi pour un échange de compétences, de savoir entre ces musées. Pour qu'on puisse faire partie à l'association, il faut qu'on ait un rayonnement qui va vraiment à l'extérieur de la Suisse. Ce sont tous des musées qui ont une importance à une échelle internationale. Et bien sûr qu'on veut qu'on communique par exemple en plusieurs langues, qu'on ait des expositions qui sont vraiment importantes, pas seulement en Suisse, mais aussi ailleurs. En 2018, par exemple, il y aura une exposition de la Fondation Beyeler, qui est située à Bâle, une merveille d'institution, qui mettra en valeur la juxtaposition entre Alberto Giacometti et Francis Bacon. Les deux artistes étaient fortement intéressés dans la figure humaine, dans le portrait. Et ce n'est pas pour la première fois que la Fondation fait un projet qui commence à établir un dialogue entre deux artistes. Et c'est toujours très, très fructueux, puisque ça vous rouvre les yeux, vous avez une relecture de ces travaux qui sont, bien sûr, des chefs-d'œuvre du XXe siècle. Le musée d'Élysée à Lausanne, l'institution la plus importante en photographie en Suisse, va montrer une exposition sur Jean Dubuffet, quasiment une documentation de cet artiste à travers de la photographie. Ou bien il y a Emil Nolde, un artiste de la groupe Der Blaue Reiter, qui sera monté au Centre Paul Klee. Toutes ces villes qui semblent être à une longue distance entre eux, ça vous prend juste une heure de voyager de Zurich à Bâle ou de Bâle à Berne. C'est-à-dire c'est assez compact. On peut lire la Suisse comme une ville assez grande qui est divisé par de grands parcs, ce qui est la nature qui est stupéfiante en Suisse. Alors ça vaut vraiment la peine, je trouve, de profiter de la qualité de ces institutions, mais aussi de voyager d'une ville à l'autre. Tout ça à une échelle très très humaine. L'expérience du visiteur va au-delà du musée, mais reste à un niveau international si on regarde sur la qualité des institutions.